Peggy 18. Salut à tous les exilés. Lors de ma ronde, je n'ai pas pu me résoudre à vous laisser sous la garde des Uruks du Mordor. Moi, capitaine de garde, Talion de Narcost, ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider le maximum d'entre vous. Je sais cependant que je risque ma place pour cela. Mais des vies doivent être sauvées. Surtout que c'est à cause de nous et de nos codes d'honneur que vous en avez été exilés. Salut les amis, c'est Shirokyo. Aujourd'hui on se retrouve avec le capitaine de la garde. Regardez-le, hein. La différence qu'il y a en fait, c'est tout simplement parce que son linge n'est pas déchiré, comme vous voyez. Il a l'air de flamber neuf, d'être nouveau. Du coup, voilà. Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'occuper du bonus des exilés. On va sauver tous les exilés qu'on trouvera et faire les quêtes des exilés. Du coup, c'est parti. Ceux qui sont tombés. Ces esclaves sont punis pour s'être effondrés d'épuisement. Sauvez-les des griffes de leurs persécuteurs. Alors, objectif bonus, tuer 5 furtivement. Le premier. Le deuxième. Troisième. Hop, je sauve l'esclave. Quatrième. Et cinquième. Et le dernier esclave. Hop, et voilà le trophée peuple libre. Brisé. Quelques outils ont valu à ces esclaves des jours entiers de torture. Tuez les Uruks qui les gardent et libérez-les. Objectif bonus, tuer 2 Uruks depuis un rebord. L'astuce est simple, on se met sur les rebords et on les attire tout simplement à chaque fois qu'on veut tuer quelqu'un par un rebord. Voilà, comme là vous voyez, hop, voilà. Maintenant j'ai qu'à sauver tout le monde rapidement. Et le dernier au fond, hop, voilà. Au bord du gouffre. En proie au désespoir, les exilés asservis ont commencé à se battre entre eux. Libérez-les pour qu'ils retournent leur rage contre leurs oppresseurs. Alors, brutaliser 3 euros. Hop, 1, 2, au fond, voilà lui. Les autres ils vont m'embêter pour sauver l'esclave, donc je les élimine rapidement. Hop. Voilà. Et le troisième. Maintenant j'ai plus qu'à les sauver tranquillement. Sans problème. Et voilà. Travail meurtrier. Ces esclaves exilés sont punis pour ne pas avoir rempli leur quota. Tuez leur superviseur pour qu'ils puissent s'enfuir. Alors, il faut que j'élimine 10 Uruks furtivement. Hop, 1. Hop, je vais le sauver. 2. 3, 4. Je vais essayer d'avoir tous en furtivité. C'est-à-dire, je vais faire des allers-retours. Voilà, 2, 3, 4. Voilà, comme j'avais dit. 6, 7,
Hop, je vais faire pareil pour eux. 8. 9. Lui s'est enfui, donc laissons tomber. Et 10. Maintenant, on va sauver les derniers esclaves qui restent. Libérez-moi. Cette douleur va me tuer. Et voilà. Langue déliée. Les esclaves sont exécutés pour la moindre insulte réelle ou imaginaire prononcée contre leurs brutaux superviseurs. Ne les abandonnez pas à leur sort injuste. Alors, il faut que je tue 3 Uruks après les avoir attirés. 1. 2. Il faut que je fuis. Et 3. Voilà. Maintenant, je vais les sauver tous rapidement. Et 3. Ah mince. C'est embêtant. Je vais tous les faire exploser. Hop. Et voilà. C'est fini. Alors, résistance. Ces hommes ont refusé d'obéir aux ordres de leur maître Uruk. Sauvez-les avant qu'ils ne soient exécutés. Tuez les Uruk par élimination aérienne. 1. 2. 3. Et voilà, c'est fini. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à sauver les exilés rapidement. Libère-moi ou tue-moi. Peu importe. Ensuite. Q-sec. Ces esclaves ont tout risqué pour voler le grog des réserves de leur maître. Ils sont à présent enchaînés et promis à une mort certaine. Délivrez-les de leurs liens. Alors, il faut que j'empoisonne 3 fûts de grog. Hop. J'utilise mon pouvoir, ça va être plus facile et beaucoup plus rapide, hein, comme vous voyez. Hop, les 3 sont faits. Maintenant, on peut aller les sauver. Vous m'entendez? On a et besoin voilà. D'aide. Ensuite, libération. Les esclaves gardés, l'enclos. Des Karagors ont laissé l'une d'entre eux s'échapper. Ils sont à présent punis pour montrer l'exemple. Sauvez-les de ce supplice. Il va falloir que je tue 5 Uruks avec les Karagors. Je m'y attendais un peu, hein, vu le nom de la mission. Hop. Les Karagors vont faire tout le boulot, j'ai plus qu'à les libérer tranquillement tous les esclaves. Et voilà, comme je vous avais dit. Alors, venin. Encouragés par leur victoire, les exilés ont osé empoisonner le grog Uruk et d'aller assassiner rapidement leurs oppresseurs. Alors du coup oui, je m'attendais à ce qu'il fallait que j'empoisonne des fûts de grog. L'avantage ici c'est que tous les fûts sont à l'extérieur des camps, donc c'est parfait, c'est très facile. Et ensuite vous pourrez libérer les esclaves tranquillement. Et voilà, le dernier. Hop. Lame volée. Les exilés ont été abattus pour avoir volé des épées aux Uruks. Il est temps de vous battre pour eux.
Alors, il faut que je tue 5 groupes par brutalisation aérienne. Donc à chaque fois, il faut que je remonte au-dessus des ruines et que je les brutalise. Comme vous voyez que je fais depuis tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je peux les libérer tranquillement, sans problème. Voilà. 4. Et le cinquième. Le guetteur. Les exilés ont gagné en audace. Ils ont osé saboter une tour de Gué-Uruk. Récompensez-les de leur courage en les sauvant. Alors, il faut que je tue les Uruks par attaque à distance. 10. Ça va être simple, surtout que j'aime bien l'arc. Hop. Allez, venez, tout le monde, venez, venez. Y a personne qui veut tâter mon arc. Hop. Ah, ça a compté comme attaque à distance, c'est chouette ça, c'est bon à savoir. Hop. Ça m'évite de marcher plus. Voilà. Hop. Il m'en reste deux à sauver et un à tuer. Hop, voilà. Maintenant, on ne reste plus qu'à sauver les deux autres et c'est fini. Tada. Les révoltés. Les exilés sont prêts à se soulever et à résister contre leurs oppresseurs Uruk. Mais leurs chefs ont été capturés. Libérez-les pour qu'ils puissent mener leurs hommes. Alors, donc ici, je suppose qu'il faut faire. Il faut que je brutalise. Ah non, faut que je fasse peur, carrément. Donc en fait, je vais brutaliser tous ceux que je vois pour que tous les autres ont peur. Voilà, comme vous voyez. Je brutalise tous ceux que je vois pour que les autres courent. Voilà. Je vais le libérer. Maintenant. Les 5 autres sont là-bas. Et voilà. Mince. Heureusement que les esclaves viennent m'aider parce que tout seul c'est très embêtant. Quoique je pourrais faire mon armée de d'Uruk, mais. Sauf que ça prendrait plus de temps que prévu. Et voilà, on a fait la moitié des exilés, des esclaves. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. On a pu voir. Comment sauver les exilés. Je trouve que c'est plutôt simple. C'est plutôt facile, mais bon, c'est une petite quête supplémentaire pour gagner des expériences et gagner des points bonus. Tout ça en fait. On a même gagné un trophée au début, hein, dès la première mission. Normalement, si tout se passe bien, dans la prochaine vidéo, on gagnerait un autre trophée. Pour la même histoire, hein, pour les exilés, pour les esclaves. Du coup, voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!